Pour créer un site web, on n'a pas besoin de matériel spécifique. Un simple navigateur suffit, ainsi qu'un éditeur de texte. En fait, il faut plusieurs navigateurs pour les tester dans des environnements différents. Au niveau des navigateurs, nous avons Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge et bien d'autres. L'idéal étant d'en disposer de plusieurs, de tester pour voir le rendu de votre site web s'il est identique de l'un à l'autre. Parfois, il peut y avoir quelques différences. De plus, il faut également le tester sur des outils différents, c'est-à-dire sur des ordinateurs portables, sur des téléphones portables, sur des tablettes. Les rendus peuvent être différents étant donné que la taille des écrans l'est. À côté de ces navigateurs, pour pouvoir écrire, construire votre site web, on a besoin d'un éditeur de texte. Des éditeurs de texte, il en existe de nombreux. En fait, ce sont des petits traitements de texte très simplifiés. Ici, je présente un des outils un peu leader. On parlera de Notepad++, qui est donc un outil éditeur de texte qui permet donc de saisir votre code HTML, votre code CSS et bien d'autres. Il intègre un colorisateur syntaxique qui fait que l'on retrouve plus facilement les erreurs que l'on peut commettre lorsque l'on saisit le code HTML ou le code CSS. Sur Mac, il n'existe pas Notepad++, mais d'autres outils existent, tels que Brackets, Komodo, Atom. Ce sont des outils similaires à Notepad++. Ces outils que je cite sont libres, gratuits. Pour créer un site web statique, composé donc de HTML et de CSS, il n'est pas utile d'être connecté à Internet. Il suffit simplement d'avoir un ordinateur, un navigateur, et le navigateur exécutera le code HTML et CSS.